Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Kézako qui se met en mode avant, dès cette semaine. Eh oui, la nativité, eh bien, c'est dans quelques semaines. Alors on va s'attacher à vous faire découvrir des mots qui vont vous préparer à la venue du Messie grâce au père Bernard Clazen. Bonjour. Bonjour. Et on commence avec la locution Lectio Divina. Alors non, ce n'est pas une formule magique d'Harry Potter, ça pourrait, hein, mais c'est bien plus spirituel que ça. On va voir dans la rue ce que les gens nous en disent et on se retrouve tout de suite. C'est pas une formule magique, sinon je la connaîtrais. Lectio Divina. Ah non, elle n'existe pas, je vous l'assure. Lectio, je sais pas, lexique. Mes souvenirs de latin sont lointains, donc je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Divina, bon, c'est divin. Lectio, j'ai oublié. Je crois peut-être. La loi divine peut-être. L'élection divine. Sélection divine. Lectio, la lecture divine. Lecture divine, donc bah, je suppose que c'est un rapport avec les textes saints. La lecture divine, c'est la Bible. Lire la Bible tous les jours, et ça nous réconforte, ça nous donne la joie de vivre. Bon, alors on voit bien que ce n'est pas une surprise, hein, le latin est manifestement une langue morte, hein, pour beaucoup de gens. Alors père, je vous laisse faire la lumière, qu'est-ce que c'est que cette Lectio Divina ? Alors, lecture divine, bon, en effet, on peut avoir des hésitations, c'est une méthode de prière. Une méthode de prière qui a été originée dans l'Église par le monachisme, puisque c'était ceux qui savaient lire. Et qu'il fallait en effet pratiquer une sorte de lecture nourriture de la parole de Dieu. La Lectio Divina, c'est d'abord ça. C'est une prière sous forme de méditation de l'Écriture. Alors elle est découpée en trois moments. Est-ce que vous pouvez nous les citer ? Ça dépend. Il y a beaucoup de méthodes, hein. Disons quand même qu'il y a la première lecture qui est purement de l'information. Il y a une seconde lecture, peut-être, qui est de l'ordre de la méditation. Et méditation, ça veut dire réflexion, chercher à comprendre, mettre en scène, voir qui est, qui parle, qui agit. Puis il y a une troisième, que moi j'appelle la fruition, et non pas la contemplation, qui est le bénéfice, c'est-à-dire le plaisir de comprendre, le plaisir d'y être, le plaisir d'imaginer, le plaisir de rentrer dans cette parole, de manière à ce qu'elle pénètre en nous. Bon, alors c'est vrai que dans cette période de l'Avent, c'est peut-être pour vous une bonne occasion de vous rapprocher des textes bibliques qui annoncent l'arrivée du Messie. Alors quel conseil vous pourriez donner, Père Clazen, pour que nos téléspectateurs se préparent dans une lecture divine, justement ? Alors, il y a les textes absolument extraordinaires de Saint Luc, chapitres 1 et 2, qu'on ne lit pas d'une manière suivie dans la liturgie, on n'a que des petits morceaux. Ça vaut la peine de le lire d'une manière suivie, de se laisser embarquer par la poésie du texte. Ce sont des textes qui ne sont pas merveilleux, ce sont des textes qui sont poétiques, qui sont très remplis de signification. C'est le Logos, c'est le Verbe éternel de Dieu. Eh bien, merci Père Clazen pour ces conseils et merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite un excellent début d'Avent et on vous dit rendez-vous la semaine prochaine. Bye.